وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc, alhamdulillah, les frères, on avait commencé deux cours après le Maghrib, mais comme on est rentré dans le mois de Sha'ban et qu'on encourageait les gens à jeûner, on a décidé de faire le cours sur les règles du jeûne le samedi et le dimanche après l'Asr. Hier, il y avait deux personnes, donc on n'a pas fait cours. On a dit, la'al al-nas, peut-être que les gens ne sont pas au courant. Donc, Inch'Allah, on reprend aujourd'hui. Idan, pour ceux qui étaient présents avant de rentrer dans le nouveau sujet, c'est quoi le statut du jeûne en islam ? Obligatoire, avec le consensus de tous les musulmans. Tayyib, il y a une autre parole, Jamil, de l'imam al-Dahabi, qui s'en rappelle. Une parole sur l'imam al-Dahabi en parlant de ceux qui ne jeûnent pas. Allah ibarak fi. C'est ça qu'il a dit l'imam al-Dahabi. C'est-à-dire qu'il est pire que l'alcoolique, et ils ont même un doute sur son islam. Non. Tayyib. Mais fawaid al-siyam, le premier profit, c'est que ça enseigne la piété. Comment ça ? C'est quand la personne, elle laisse des choses qui sont halal à la base, comme manger et boire, comme approcher sa femme. Tout ça pour plaire à Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, ça va lui enseigner à délaisser les choses haram, les choses qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'aime pas. La faim que la personne ressent dans son ventre, ça repousse les passions, comme on a dit tout à l'heure, avec le hadith pour les jeunes. Quand le ventre est plein, la langue elle a faim. Les yeux ils ont faim. La main elle a faim. Ses envies, il a envie. Voilà qu'une quand son ventre est creux, son envie baisse, et c'est comme si ses yeux et sa main et son ventre étaient rassasiés. Nah. De même que quand on jeûne, on sent la faim. Alors on imagine la faim que les pauvres et les nécessiteux, ils subissent quand ils ont faim. Ça nous pousse à avoir encore plus de miséricorde pour eux et à leur donner et à combler leur faim. À combler leur faim. Car quand quelqu'un vit quelque chose, ça n'a pas la même influence que quand il le connaît seulement, il le sait. La personne qui est sur une monture, il ne connaîtra pas la difficulté de marcher tant qu'il ne marche pas. Le jour où il va marcher, il va comprendre. Hakada. De même que le jeûne, ça lui enseigne quoi ? D'être organisé. De pousser son âme bestiale et ses envies à faire ce que lui, il a décidé. C'est-à-dire qu'il a organisé. C'est pas son âme qui commande. Il a une organisation. Il rompt le jeûne à une heure précise, il arrête de manger à une heure précise, il fait des choses, d'autres choses, il ne peut pas les faire. Non. Ça montre aussi l'unité des musulmans, le jeûne du mois de Ramadan, car toute la communauté, elle jeûne un mois ensemble, le même mois, le mois de Ramadan. C'est pas un jeûne Shawwal, l'autre il jeûne Sha'ban, l'autre il jeûne je ne sais quoi, tout le monde, Ramadan, dans le monde entier, au même moment. Non. Alors, même s'il y a des petites divergences dans le début, la fin sur un jour, le mohim. Jour latin, il jeûne le même mois. La divergence, elle est juste est-ce que le mois est entré ou non. Voilà, jour latin, tous ils jeûnent le même mois, le mois de Ramadan. C'est une occasion pour ceux qui appellent à Allah le mois de Ramadan. Car les mosquées se remplissent. Il y a des gens, peut-être c'est la première fois de sa vie qu'ils rentrent dans une mosquée. Ou peut-être ça fait longtemps, depuis le dernier Ramadan, ou depuis je ne sais combien de Ramadan, il n'est pas vu à la mosquée. Donc là, c'est le moment de faire des prêches appropriées, des discours, et d'accueillir tous ces gens pour qu'après Ramadan, il y a ces boutons, pour qu'après Ramadan, il reste constant à la vie. Tayyib, le jeûne, il est obligatoire pour qui ? Il est obligatoire pour tout pubère, doté de raison, doué de raison, citadin, capable et qui n'a pas les excuses, les choses qui peuvent l'empêcher de jeûner, comme les règles et les lochis pour les femmes.
Toutes ces paroles, elles ont leur importance. Balir, c'est le fait d'être pubère. On va en parler. Ça, c'est très important. Il y a des signes pour connaître la puberté de quelqu'un. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces signes-là. Peut-être son fils, il est pubère, ou sa fille, elle est pubère, et il n'est même pas au courant. Alors que quand elle est pubère, il y a beaucoup de choses qui changent. Ça y est, elle est pubère, elle est responsable. Bon, Moukallaf, à partir de sa puberté, tous les ordres de l'islam deviennent une obligation formelle pour lui. Salat, siyam, zakat, kada, le hajj, il en a les moyens. Même par exemple, un jeune homme à 15 ans, il a de l'argent, le hajj, il arrive, il n'a pas de mani, il n'a pas quelque chose qui l'empêche, il n'y a rien du bon, allez, c'est obligatoire pour lui de partir. Là, misal. Une femme, une fille, si elle est pubère, le hijab, ça devient obligatoire pour elle. C'est plus juste un entraînement, un talbiya, kada. C'est obligatoire. Si elle ne met pas le hijab, elle est désobéie. Elle désobéit. Et elle a des péchés. Non. Et donc, à l'âme boulot, il faut les connaître, les signes avec lesquels quelqu'un est pubère. Car toutes les adorations, elles sont attachées à la puberté. On va en parler, inshallah. Et donc, boulot, l'aql, pas de ma'loum, l'aql. Il y a un mélange de majnoun. Quelqu'un qui est majnoun. غير مكلف رفع عنه القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas la yuhasab, on ne lui demande pas des comptes. Muqim, pour un jeûneur par exemple, c'est important. Muqim, citadin, car le musafir, le voyageur, il pourra rompre, il aura le droit de rompre son jeûne. Après, qu'est-ce qui est le mieux pour lui, ça c'est une autre discussion, on verra plus tard. Mais yajuz ou lahu al-fitr, la yajibu alayhi al-sawm, للمسافر للوياجر سالم من الموانع صديق الحيض والنفاس pour les femmes qu'elles ne soient pas dans une période de règles ou de logis. Dans ces moments-là, elle est obligée de rompre le jeûne. C'est pas seulement elle a le droit de ne pas jeûner, ولكن لا يجوز لها الصيام يحرم عليها يحرم c'est haram. Si elle jeûne alors qu'elle a les elle est en période de règle, ta'athal. Elle a un péché. C'est comme si elle se levait après salat alors qu'elle est bidoun tahara. Pendant le jeûne, elle ne jeûne pas. Et pendant ses règles, elle ne jeûne pas. Pendant les lochis aussi. Et les lochis, c'est quoi? Elle nifas. Ba'd al-wilad. Après qu'une femme elle a eu un enfant, cette période-là, tant qu'il y a du sang qui coule, elle ne jeûnera pas un maximum 40 jours. Maximum 40 jours. Non pas comme certains croient. Beaucoup de gens, leurs femmes ont eu des enfants, 40 jours, elle ne fait pas salat, rien, même si le sang s'est arrêté. Là, si le sang s'arrête même au bout d'un jour, elle est obligée de revenir à salat et à siyam. 40 jours, c'est quoi? C'est la période la plus longue. C'est-à-dire que si après 40 jours, elle a encore du sang, elle devra, ce sang-là, ce ne sera pas du sang de nifas, ce ne sera pas du sang de l'oshi, c'est de la maladie, c'est maladif, takunu mustahara, istihara. Donc elle devra prier, jeûner et faire tout ce qu'une femme doit faire obligatoirement. Hein? Sauf qu'elle devra obligatoirement faire salat, le wudu, avant chaque salat. Avant chaque salat, elle devra refaire le wudu. Après l'entrée de l'heure de salat. Non. Comment on sait que quelqu'un est pubère? Donc comment on reconnaît al-boulour, la puberté, avec l'un de ces trois signes? L'un de ces trois signes, écoutez bien, ce n'est pas ces trois signes réunis. Un de ces trois suffisent. Si l'un de ces trois signes apparaît, c'est suffisant pour dire que cette personne est pubère. Le premier signe, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, le fait qu'il ait eu du sperme, ou pour la femme, une éjaculation qui existe chez la femme. Ça, c'est le boulot. Que ce soit endormant ou éveillé ou n'importe quelle sorte. Si c'est arrivé, la première fois que ça arrive, cette personne, elle est pubère. Non. Le deuxième signe, c'est qu'il y ait des poils durs qui poussent autour du sexe. Que ce soit de l'homme ou de la femme. Troisième signe, qu'il arrive à 15 ans. Même s'il n'y a aucun signe qui est apparu. Quatrième chose qu'on rajoute juste pour les femmes, en plus des trois autres, c'est les règles. Si une femme elle a ses règles, elle a ses menstrues, elle est pubère. Quel que soit l'âge auquel elle a eu ses menstrues.
7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, dès qu'elle a ses menstrues, elle est puberte. C'est très important, beaucoup de gens ne savent pas ça. Sa fille, elle a, mashallah, ça fait longtemps qu'elle a eu par exemple ses menstrues. Ça fait longtemps, par exemple, qu'elle a eu ses menstrues, ni elle met le hijab, ni elle fait le jeûne, ni elle prie, ni rien. Alors que là, c'est devenu pour elle obligatoire. Non. C'est pour ça que c'est pas, faut pas attendre que quelqu'un soit pubère pour lui apprendre la prière, le hijab, le jeûne, les obligations. Dès tout petit, dès que ça y est, il arrive à 7 ans, comme la salat. 7 ans, on lui enseigne la salat. À 10 ans, on le tchaddad ali s'il ne fait pas salat. Hatta yumkin an nadribahu illa yutiya. Jusqu'à ce qu'il n'obéit pas, on peut même le taper. C'est pour ça que certains ulama disent que même pour siyam, c'est la même chose que salat. On l'appelle à jeûner à partir de 7 ans. Si à 10 ans, elle ne veut toujours pas jeûner, on peut le punir pour ça. Hein? Il n'a pas, s'il en a la capacité. Si par contre, on voit qu'il jeûne au long de la journée, il ne peut plus, il n'arrive pas, il arrête. De toute façon, c'était juste un entraînement pour lui. Si par exemple, certains jours du mois, il n'a pas pu du tout jeûner, laisse aller, on le laisse ces jours-là. Voilà, qui on lui habitue. Peu à peu. Première année, deuxième année. Première année, il va rompre peut-être un jour, il mange un jour. Deuxième année, cadavre. Après, à la fin, il fait tout le mois, il est habitué. Quand il arrive à 11, 12 ans, 13 ans, 15 ans, alhamdulillah, c'est normal pour lui, il a déjà l'habitude. Non. Mais, il faut bien le faire manger. Il faut bien les faire manger le matin, hein, comme on va voir pour tout le monde, mais surtout les enfants. Sahur, il faut leur donner un bon sahur. Un repas, hein, pour qu'ils puissent tenir toute la journée, inchallah. Mais si au long de la journée, les parents ils voient que c'est dangereux pour sa santé, ou là il n'est pas bien, ils le font rompre. Ou il est trop fatigué, il n'arrive à rien faire. Ou si c'est par exemple une période d'école, il n'arrive pas du tout à aller à l'école ni travailler, bah, allez, il ne fait pas, hein, il ne fait pas jeûner ces jours-là. Il jeûnera les jours, par exemple, le mercredi, le samedi, dimanche. Hein, voilà. De même que si tu appelles ton fils à jeûner ou à prier ou quoi que ce soit, lui, il aura la récompense complète. Tout ça, ça sera écrit dans la page de ses bonnes actions. Mais toi, tu auras la récompense de l'avoir appelé au bien et la récompense de la bonne éducation. Celui qui guide à une bonne voie, c'est, il a la même récompense que celui qui l'a fait. Et donc je disais que l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, il voit que tu commences à le faire jeûner à 10 ans. D'autres ils disent on commence à 7 ans, mais à 10 ans ça y est. On peut comme la salat. Vraiment, on lui demande de vraiment le faire avec plus de conviction. En ce qui concerne l'imam Malik, lui il voit qu'un enfant, tant qu'il n'est pas pubère, on ne le fait pas jeûner, du tout. Il voit que c'est makruh, c'est pas bien, c'est détestable. Il voit que c'est un ta'dib, c'est une manière de faire châtier l'enfant pour rien alors qu'il n'est pas encore responsable. Voilà l'avis de l'imam Malik, il est marjouh. Ce n'est pas l'avis le plus juste, wallahu a'lam, pourquoi? Car comme on a dit dans le hadith de Bukhari, selon Rubayya bint Mu'awwid, elle a dit en parlant du jeûne de Ashura, quand il était obligatoire. Vous vous souvenez, on vous avait dit qu'au début, le jeûne qui était obligatoire, c'était Ashura, pendant 2 ans. Puis, au mois de Sha'ban, de la deuxième année après l'Hijra, Allah Ta'ala a rendu obligatoire le jeûne de Ramadan. Et le jeûne de Ashura est devenu surérogatoire. Le mois de Ramadan, il a pris la place de Ashura. Donc dans ce hadith, elle a dit, dans le jeûne de Ashura, quand il nous avait été rendu obligatoire, cette sahabiya Jalila, elle dit, on faisait jeûner nos enfants. Et on leur faisait des jouets en coton pour les distraire quand ils avaient trop faim. Quand ils nous demandaient à manger, on les distrayait avec des jouets en coton jusqu'à qu'on attende le moment de leur faire rompre le jeûne. Donc ce hadith, il couvre le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba, radiallahu anhum, ils faisaient jeûner leurs enfants. Et même si c'était dur pour eux, ils les faisaient jouer pour qu'ils oublient et ils attendaient jusqu'à la rupture du jeûne. Donc ça prouve ça prouve bien que c'est recommandé de le faire. Que c'est recommandé de le faire, non pas comme a dit l'imam Malik, que c'est makruh. Non. Beaucoup de gens, ils font pas attention. Des fois, il y a des enfants, machallah, ils sont motivés, ils veulent jeûner avec leurs parents. Et les parents, ils les empêchent.
soi-disant par miséricorde pour eux. Si tu veux de la miséricorde pour eux, laisse-les. Laisse-les jeûner, encourage-le, donne-lui une récompense. Tu le tashkurhu, tu lui fais comprendre ce qu'il fait, c'est une bonne chose, pour qu'il grandisse avec ça. Non. De même, Allah nous a dit de nous sauver nous et nos familles de l'enfer. Comment on va les sauver? C'est en leur enseignant le bien, en leur ordonnant d'obéir à Allah et à son prophète. Non. Certaines filles, des fois, elles sont pubères, elles ont leurs règles et elles jeûnent pendant leur période de menstrues. Par pudeur ou par honte de leurs parents, de leurs frères, de ses pères, c'est haram de faire cette chose-là. Et en plus, elle ne rattrape même pas après. Elle le dit à la mère. Et normalement, si la famille, s'il n'y a pas besoin de leur expliquer, ils savent qu'une femme, ils voient leur mère, il y a des jours où elle ne jeûne pas. Si quelqu'un, par exemple, il devient musulman, en plein milieu de Ramadan, à partir du moment où il devient musulman, il doit arrêter de manger jusqu'à la fin de la journée. Et il ne sera pas obligé de rattraper ce jour-là ni les jours d'avant. De même, si quelqu'un devient pubère, une fille ou un garçon, en plein Ramadan, lui, de même, il n'aura pas à rattraper les jours d'avant. À partir du moment où il est pubère, il arrête de manger jusqu'au moment de l'iftar, de rompre le jeûne, puis, après, il continuera le Ramadan et il n'aura rien à faire. Kadhalika al-majnoun, par exemple, quelqu'un de fou, ou quelqu'un qui perd sa raison. Afa, il a retrouvé sa raison. Ou il y a des gens, des fois, par exemple, il est normal 3-4 jours, il n'est pas normal 3-4 jours. Pendant les 3-4 jours où il est normal, il devra jeûner et prier. Et pendant les autres jours où il n'est pas normal, il n'aura rien à faire. Là. Donc cette personne-là, s'il retrouve la raison en pleine journée de Ramadan, il finira la journée et il n'aura pas à rattraper ce qui s'est passé avant. De même, par exemple, s'il a commencé un jeûne, puis après il perd sa raison, et à la fin de la journée il retrouve sa raison, son jeûne il est valable, inch'Allah. Il n'aura rien à faire. Donc il y a des hadiths qui prouvent que la personne qui n'a pas sa raison, il n'est pas responsable de ses actes. La plume est levée, c'est-à-dire qu'on ne lui écrit pas ses mauvaises actions pour l'enfant et pour le fou jusqu'à qu'il trouve sa raison, et celui qui dort jusqu'à qu'il se réveille. Naam. Kadhalika, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Ashura, il est sorti et il a demandé, il a dit, faites annoncer à tout le monde, ceux qui ont déjà mangé, qu'ils arrêtent de manger jusqu'à la fin de la journée. Et ceux qui n'ont pas mangé, qu'ils continuent leur jeûne. Et il a demandé à personne de rattraper cette journée-là. Pourtant, eux, ils avaient leur raison, car ils ne savaient pas que c'était obligatoire. Non. De même, si quelqu'un, par exemple, il ne sait pas du tout que c'est Ramadan, il ne savait pas. En pleine journée, on arrive, on dit, ah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu manges, c'est Ramadan. Il arrête de manger jusqu'à la fin de la journée. Ça dépend de sa situation. Si c'était une personne qui est dans un endroit, il est capable de savoir. Par exemple, il suffisait d'aller voir la mosquée ou d'appeler quelqu'un. C'est facile pour lui de savoir. Il doit rattraper. Mais si c'est quelqu'un qui est dans un endroit perdu, qui vit au milieu des koufars, qui ne sait pas, il n'arrive pas à savoir quand est-ce que c'est Ramadan, quand est-ce que c'est sorti. Celui-là, il n'aura même pas à rattraper ce jour-là. Mais il finit. S'il le fait par sécurité, mais il n'est pas obligé. Non. De même, si quelqu'un meurt pendant le mois de Ramadan, il n'y incombe ni à lui ni à ses héritiers de faire quoi que ce soit. Ni de sortir fidya, ni de jeûner à sa place, ni rien du tout. Non. Par exemple, si quelqu'un était ignorant que le jeûne de Ramadan c'est obligatoire, il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est obligatoire. Ou bien, qu'il ne sait pas, il sait que c'est obligatoire, mais il croit qu'on peut juste boire, par exemple. Pas manger, mais on peut boire. Ou bien on peut boire, on ne boit pas, on ne mange pas, mais on peut faire l'acte avec sa femme. Il ne sait pas que c'est haram, par exemple. Si cette personne, elle est ignorante, elle est excusée à une condition. Qu'il fasse partie des catégories de personnes qui sont excusables. Par exemple, un nouveau musulman, un converti. C'est-à-dire, il n'a pas eu le temps d'apprendre assez pour savoir que c'était haram ces choses-là, ou que c'était telle chose de telle ou telle manière. Un converti qui n'avait pas eu le temps d'apprendre toutes ces choses-là, celui-là il est excusé. Deuxième catégorie de personnes, quelqu'un musulman qui vit fidar al-haram. Par exemple, il y a une guerre entre les musulmans et les koufars, lui il vit dans les milieux des koufars. Il n'y a pas moyen d'acquérir la science ni de connaître quoi que ce soit.
Ou bien un musulman qui a grandi avec les koufars et qui ne connaît rien aux règles de sa religion. Par exemple, on trouve ici des fois des gens d'origine musulmane. Son père, par exemple, était musulman, sa mère. Lui, il dit, je suis musulman. Alors qu'il m'a arraché, il a grandi avec des koufars, il arrive, personne ne lui a rien enseigné. Celui-là, il est juzab à condition qu'il n'a pas les moyens de chercher la vérité. Par exemple, dans un village reculé en France. Voilà qu'il maintenant, alhamdulillah, c'est-à-dire avec la télévision, internet, les mosquées partout. C'est rare une personne qui n'a pas les moyens de connaître. C'est rare. Même les Français, maintenant, ils savent partout où trouver une mosquée. Même les non-musulmans. Même un non-musulman, s'il veut se renseigner sur l'islam, il sait où. Alors comment ça, quelqu'un qui se dit « je suis musulman », il ne peut pas se renseigner. Donc si quelqu'un, il fait des choses par ignorance dans sa religion, des choses haram, où il délaisse des obligations, où il fait des choses très graves, des grands péchés, ou du shirk même. Si c'est quelqu'un qui est ignorant et qui est capable, qui n'est pas capable de connaître cette connaissance-là facilement, peut être excusé. Voilà que si c'est une personne qui a accès à la science, qui pourrait accéder, voilà qu'il qassara, il n'a pas fait son devoir. C'est par fainéantise, ou par, parce qu'il est occupé avec dunya, jamais il va à la mosquée, jamais il demande. Cette personne-là, elle n'est pas excusée. Et tout ce qu'il fait comme péché, même s'il est ignorant, ce sera compté contre lui. Là. Et là, il y a une différence entre deux sortes d'ignorants. L'ignorant qui n'a pas le moyen d'atteindre la vérité facilement, et l'ignorant qui n'a pas fait son devoir, qui est ignorant parce que lui-même n'a pas cherché à savoir. Parce qu'il est occupé, trop occupé avec le dunya, avec l'argent, avec ses shahawat, avec ses passions, ou parce que il est feignant, il ne veut pas se déplacer, il ne veut pas appeler, il ne veut pas aller voir. Celui-là, il n'est pas excusable. Parce que tous les jours dans salat, on demande quoi à Allah tabarak wa ta'ala ? Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wa ad-dallin. Allah ta'ala, il dit, il nous demande de demander de nous guider dans le chemin droit, le chemin de ceux qu'il a comblés de bienfaits, non pas ceux de ceux qui ont encouru sa colère, ni les égarés. Qui sont-ils ? Les maudits, ce sont les juifs qui savaient la vérité et qui ne pratiquaient pas. Les égarés sont les chrétiens. Ils ne savaient pas et ils n'ont pas cherché à savoir. Ils sont égarés, ils se plaisent dans leur égarement. Ils ne veulent pas chercher à savoir la vérité où elle est pas où. Ça leur plaît d'être égarés. Et là, Allah ne les a pas excusés. Et il les a maudits. Et ça va être des habitants de l'enfer. S'ils meurent dans cette situation. C'est-à-dire ceux qui savent et qui ne pratiquent pas, ils ne sont pas excusés. Et ceux qui ne savent pas et qui ne cherchent pas à savoir non plus, ils ne sont pas excusés. والله تعالى أعلى وأعلم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقل رب زدني علماً